Juste, c'est une denrée rare. C'est pour ça que dans le l'affaire de Sodome et Gomorre, Dieu demande à Abraham s'il y a au moins une dizaine, une vingtaine, une trentaine de justes dans la cité. Donc, quand les gens disent comment savoir qu'est-ce qui est juste, il ne s'agit pas de leur demander comment eux-mêmes pour comprendre ce qui est juste. Il s'agit de faire appel à des justes. C'est la même chose. Il faut respecter les gens qui sont justes, qui voient juste, qui remettent les choses à leur juste place. Ça, c'est fondamental. Et c'est le rôle des Juifs, notamment, de faire ce travail. On ne peut pas se passer d'eux. Supprimer les Juifs, c'est supprimer la justice, supprimer la justesse, supprimer les capacités d'ajustement et de remise des choses à leur juste place. Donc, il ne faut pas fonctionner en termes de discours, en termes de compétences. Qui a la compétence de voir plus juste? Qui est né viscéralement pour voir juste, pour dire juste? Ce sont des personnages exceptionnels et ce n'est pas donné à tout le monde, contrairement à ce qu'on voudrait peut-être croire.